Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nous allons tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Rhino Rumble sur Nintendo Game Boy Color. Un jeu sorti en 2000, édité par. Enfin, je sais plus quoi, enfin, quelle société, mais c'est pas grave. Donc le jeu s'appelle Rhino Rumble, un petit jeu de plateforme assez sympa où on contrôle un petit rhinocéros violet tout mignon. Donc je sais pas exactement quel est son rôle. Alors d'après ce que j'ai compris, on doit parcourir tous les niveaux et buter des ennemis. Alors, deux trucs, il y a sauter et pour battre les et pour tuer les ennemis, vous avez des c'est des ah oui, c'est des projectiles, voilà. Donc notre ami le rhinocéros peut buter les ennemis en crachant du feu. Ouais, je savais pas que les rhinocéros crachaient des boules de feu, mais c'est pas grave. Alors le jeu, franchement, graphiquement il est pas trop mal. Enfin, ça dépend s'il est. Ah putain. Oui, alors il y a une chose qui est vraiment agaçante dans ce jeu, c'est que à chaque fois quand un ennemi touche, vous mourrez en un coup. Et ça c'est vraiment casse-couille. Hein. Apparemment, hein. Alors, vous avez toutes sortes d'items à ramasser, notamment les pommes, qui rapportent des points. Alors vous devez vous méfier de tout. Notamment les oiseaux, les tortues et aussi les singes. Voilà, donc voilà, bon, l'oiseau est buté. Voilà. Ah, attendez, parce qu'il y a une pomme en haut. Je vais voir si je peux la récupérer. Ah bah tiens, justement, en voilà un singe. Alors ces singes-là sont vraiment casse-couilles, ils vous balancent des trucs. Je ne sais pas si... Oh, je ne sais pas si ce sont des... Comment dirais-je des... je sais pas, des noix de coco ou des boules de feu. Mais ils sont hyper saoulants, hyper chiants. Attends, mais vas-y! Oh, continue à pourrir ma vie, Cheetah, là, hein. Oula, attention. Oh, putain. Et les sauts sont... Putain, vas-y. Les sauts sont de la chiasse. Franchement, c'est... Non, franchement, ce jeu de plateforme, je sais pas pourquoi, mais il est un petit peu dur sur les bords. Oui, allez, on abrège, putain. Bon, on continue à explorer les lieux, en évitant les ennemis, je vous le rappelle. Oula. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas... Non, non, oh putain, mais à chaque fois je me fais avoir, putain, oh. Hey, ce jeu, il est pas marrant. Franchement, ce jeu, il est pas marrant. On se crève le cul pour être prudent. Mais non, c'est... Non, le jeu veut pas qu'on progresse. Putain, mais c'est littéralement de va te faire foutre, quoi. Bon, pas grave. Attendez, parce que là il y a un singe, je vais voir si je peux le buter sans qu'il puisse me buter. Allez, voilà, c'est bon, il est crevé. Oula, putain. Oui, attention, évitez de ne pas toucher les ennemis parce que le moindre contact avec les ennemis vous tue en un coup. Et ça c'est vraiment, mais hyper saoulant, limite casse-couille. Voilà, attention à ne pas. Voilà. J'essaie de pas tomber dans le vide. Voilà. Oh, encore des putains d'oiseaux, mais... Allez, dégage, l'oiseau. Voilà, c'est bon. Oui, ramassez les items. Les seuls items que vous croiserez dans le jeu, c'est les pommes. Qui vous donnent des points. Mais juste des points. D'ailleurs, je sais même pas combien on doit en ramasser. Encore une autre connerie de singe et encore une connerie de tortue. Faites gaffe aux tortues parce que elles aussi sont saoulantes. Oula. Attention, on n'a pas à faire. Oh là, non. Oh là là, encore un de ces conneries de singe. Voilà, c'est bon, t'es crevé. Et voilà, j'ai terminé le premier niveau. Et bah putain, on peut dire que j'en ai chié.
Le niveau 2, alors ce niveau 2, franchement, contrairement à l'autre, il est hyper ressoulant. Non, parce que, oui, parce que là, là après les oiseaux, on va, ça va être le tour des piranhas. Allez, on continue. Encore une autre connerie de singe. Voilà, c'est bon, il est crevé. Attends, est-ce que je peux monter là-haut? Non. Ah oui, attention. Oui, méfiez-vous aussi des autres trucs. Là, je sais pas ce que j'ai buté une sorte de fleur. Là, j'ai buté une tortue. Attends, je suis en train de génocider toute une tribu d'animaux, je sais pas pourquoi. Ah, une pomme, super! Voilà. Allez, voilà, super. Allez, on continue, on continue. On n'abandonne pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un bateau! Très original. Bon, allez, on continue. C'est bien, on avance, on avance, on avance. Encore un oiseau. Voilà. Bon, on s'en fout c'est qui crève pas. Bon, allez, on monte. Allez, on monte, voilà. Ah, super, il y a une pomme, mais je peux pas la récupérer. Bah, je sais pas si je peux la récupérer. Non. Visiblement. Quoi? J'ai rien compris. Attendez, je suis là-haut. J'étais en bas et je suis monté du haut, mais vite fait. Je sais pas si c'est un bug du jeu ou je sais pas quoi, mais. Putain, mais. What the fuck, quoi. Hein? Oh non! Encore un de ces putains de singes. Voilà, bon. Cette fois, il est niqué. Voilà, on bute la piranha, c'est bon, t'es crevé. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça va me tuer. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est une item qui a un rapport avec la vie ou quelque chose comme ça. Oui, attention à ne pas tomber dans l'eau, parce que tomber dans l'eau vous tue en un coup. Ce qui est totalement up, what the fuck, parce que un rhinocéros, ça sait nager sous l'eau. Hein. Mais putain de conneries de tortue, oh. Oh là là là. Bon, franchement, ce jeu, il a beau être mignon, il a beau être sympa, il est un petit peu, je sais pas, il est un petit peu dur sur les bords, hein. Allez, le niveau 3, la jungle. Encore une fois, la jungle. Attendez, il faut faire quoi là? Oula. Il faut faire quoi là exactement? Attends. Ouais, attendez, attends, parce que là, je pige pas là. Hein. D'accord. D'accord. Au lieu de passer par vers la droite, on passe vers la gauche. Non mais nique la logique. Franchement, je pensais que c'était. Il fallait suivre le niveau vers la droite, mais non, il faut partir par là. Non, mais. Je vais me plaindre envers les programmeurs du jeu. Je sais pas pourquoi. Alors, allez, on continue. Bon, laisse tomber. Cherche pas à savoir, Vince. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bon, ok, on continue. Attends, attends. Ne pas faire n'importe quoi, voilà. Et j'ose même pas sauter.
trop fort tellement j'ai peur de me casser la gueule. Oh, mais connerie d'oiseau, putain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, je vous ai déjà tout montré. Donc voilà, donc c'était donc Rhino Rumble sur Nintendo Game Boy Color. Bon, un jeu ça pas, mais pas très évident. Non, franchement, il est bien, mais pas très évident sur les bords. Voilà, donc c'était donc Rhino Rumble sur Nintendo Game Boy Color. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Oh et putain, j'y pense, j'aimerais...